Dès les premiers mots de la passation, le cadre est posé. François Rebsamen au ministère du Travail, un scénario inattendu. Je ne sais pas, cher François, si tu t'attendais à être ministre du Travail. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que moi aussi, je ne m'y attendais pas a priori. François Rebsamen, en effet, était plutôt pressenti au ministère de l'Intérieur. Michel Sapin l'assure, lui aussi était arrivé par surprise en 2012 au ministère du Travail, mais il le quitte la gorge serrée. Donc je quitte ici avec le sentiment d'avoir beaucoup travaillé, avec une équipe exceptionnelle autour de moi, et avec la conviction que c'est aussi en allant sur un autre front que nous allons réussir à faire reculer le chômage. Le recul du chômage, un combat dont le succès se verra un jour, c'est ce que veut croire le nouvel arrivant. Parce que je sais combien tu t'es battu pour cette inversion de la courbe du chômage. Et la première des choses, si nous avons la certitude de réussir à terme, eh bien nous te le devrons et je ne l'oublierai pas. Des mots et des gestes amicaux, pas une seule fausse note. Les deux hommes envoient le message d'une collaboration plus forte entre les deux ministères, celui du Travail et celui des Finances, que Michel Sapin rejoint maintenant.